Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la nature et j'ai pas de tableau blanc derrière moi. J'avais envie de compléter la capsule que je vous ai faite sur la peur. La peur est gravement à la santé. Pourquoi? Parce que je sais pas si ça a été très clair pour vous dans mon explication un peu empirique, mais quand on a peur, en fait, on dépense énormément d'énergie à nourrir un corps qui est en réaction physique et physiologique. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on a peur, il y a des choses qui vont peut-être passer. Vous allez peut-être vous mettre à bâiller, vous allez peut-être avoir des ressentis. Vous me direz en commentaire. Quand vous avez peur, en fait, vous coupez. Vous vous coupez de votre grandeur. Vous vous coupez de tous vos potentiels. Vous vous coupez de votre amour pour vous, de votre amour pour la vie, de votre confiance en la vie. Et je parle vraiment des fausses peurs, ok? Je parle pas des vraies peurs. Ou... De toute façon, si vous avez des vraies peurs, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Une vraie peur va engager ce processus via l'amygdale limbique de façon très efficace et c'est parfait. Si c'est une fausse peur, ça va durer. Si c'est une fausse peur, ça va vous mettre mal à l'aise. Si c'est une fausse peur, ça va vous fâcher, vous attrister, peut-être après. Et j'ai envie de vous dire, en fait, l'être humain, c'est probablement l'une des plus belles choses qui existent sur la planète. Cette sensibilité, cette connexion à lui-même, cette capacité d'imaginer, de créer. Et d'autres animaux l'ont sur la planète. Hein. Il y a des animaux qui sont capables d'imaginer, de créer, de jouer. Je pense aux dauphins, je pense aux animaux hyper-organisés comme les fourmis, comme les abeilles. Des animaux qui sont capables de... Je pense aussi à un poisson. Un poisson qui crée un nid, c'est fabuleux. Faudrait que je retrouve la vidéo. Et il crée en fait tout un espace pour accueillir et attirer sa belle. C'est beau. L'être humain est capable de magie. Et vous voyez, quand on a peur, tout ça s'écroule. Tout ça s'écroule. Parce que on connecte ça avec une perte ou une appréhension de perte. Et c'est ça notre problème. C'est qu'à la fois on est capable de raisonner, d'imaginer. Et parfois on imagine et on raisonne à mauvais escient. Pourquoi penser aux choses qui ne vont pas aller? Qu'est-ce qu'on risque quand ça ne va pas? Qu'est-ce qu'on risque quand on se trompe? Qu'est-ce qu'on risque quand on échoue? Sinon que de se reconnecter aux souvenirs et à la douleur que l'on a vécue les fois où on a échoué et on se dit, on se dit pas, on se dit même pas, c'est inconscient. Nous vienne l'information, attention, tout comme Léon au temps préhistorique disait attention, manger baies rouges, toi avoir mal au ventre, toi voir peut-être même mort comme je sais pas quel copain il pouvait avoir et qui... Voilà. Et donc, on a ce processus-là qui continue. Attention, si tu te trompes, toi, avoir mal, toi, avoir peur, parce que papa, maman, avoir été méchant avec toi quand toi, avoir raté. C'est bien ça comme langage du cerveau, toi, avoir. Vous savez, ce langage un peu archaïque, là, qui n'est pas du tout construit. Voilà. Donc, moi, j'ai juste envie de vous dire, quand vous sentez la peur qui monte, tant mort.
posez-vous. Posez-vous et allez voir si ça vaut vraiment la peine d'avoir peur. Et si c'est avoir peur parce que je ne sais pas comment faire, faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance au processus. Il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas des idées, que vous n'ayez pas des aides, un coup de fil, quelque chose qui vient de nulle part. Vous vous dites, waouh, c'est fou qu'il m'appelle là maintenant, ou que je vois ce livre là maintenant, ou que... Voyez ? Faites-vous confiance. Vous êtes tellement plus puissant. Tellement plus puissant. Mais vous savez, cette puissance, on peut être en lien avec cette puissance que si on est en lien avec notre partie cognitive, le préfrontal, la fameuse gouvernance préfrontale, celle qui nous aide à prendre du recul, celle qui nous met dans la curiosité, celle qui nous donne confiance dans notre opinion personnelle. Moi, je sens ça, moi, je fais ça, moi, j'ai envie de faire ça. Voilà. Si on n'est pas connecté à ça, si on n'est pas connecté au cœur, à son cœur, parce que cette gouvernance, elle est très connectée au cœur. C'est pour ça qu'on dit souvent, allez voir dans votre cœur. Eh ben, vous perdrez toute la valeur de qui vous êtes. Et vous ne serez qu'un espèce de animal amélioré, un peu. Voilà. Ce que j'avais envie de vous partager ce matin, il fait super beau. Step by step, bit by bit. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire pas à pas, petit bout par petit bout. C'est la chanson de Whitney Houston. Elle me dynamise trop, cette chanson. Vous voyez cette femme? Je ne sais pas si vous vous rappelez de son destin. Cette femme s'est suicidée. Je crois qu'elle s'est suicidée à moins qu'elle soit morte d'une overdose. Mais bon, c'est un peu pareil. Quand on est dans des addictions, on se suicide à petits pas. Elle avait une force, une grandeur. Mais cette femme était magique. Elle était belle, elle était sensible, elle était intelligente. Elle avait tout pour réussir. Sauf qu'elle s'est fait rattraper par son système émotionnel. Et malheureusement, ben, il l'a emmenée avec elle. Merci les oiseaux. Voilà. J'aimerais bien vous accueillir dans ce bel endroit. Mais j'ai un petit peu de problème pour l'acheter. Pour l'instant, il ne m'appartient pas complètement. Vous allez me dire, bah, fais une cagnotte. Oui, mais enfin, il faudrait une grosse cagnotte quand même. Mais bon, c'est pas grave. J'y pense, c'est venu, je vous en ai parlé, mais j'y pense, voilà. Alors faites-moi une petite promesse, s'il vous plaît. La prochaine fois que vous avez peur, arrêtez-vous, questionnez-vous. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir peur? Et c'est ok, hein? C'est ok, hein? Vous ne culpabilisez pas d'avoir peur, surtout. Mais reprenez votre pouvoir. Si vous reprenez votre pouvoir, si ne serait-ce qu'une personne parmi vous reprend son pouvoir face à la peur, waouh, ça va servir à tout le monde. Alors si vous ne le faites pas pour vous, faites-le peut-être pour les autres, si ça vous parle plus. Voilà, je vous embrasse fort, je vous aime. Je vous aime parce que si vous êtes en train de me regarder, et surtout si vous m'avez regardé jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui passe de âme à âme. Prenez soin de vous, à bientôt, je vous embrasse.